Bienvenue sur évangileéternel.com. La rubrique Pasteur et pasteur et pasteur et pasteur et pasteur vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Albert Kaloc à Abunda. Tous les enseignements du docteur Albert Kaloc sont disponibles sur christequality.com/albertkaloc.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et là qui mboka na Uti, mobali moko mbo na ezala ki yogo. Et cet homme était intègre et droit. Mobali oyo ala ki moto na sembo pe kubala zambe. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Ala ki kubala zambe pe akabona ki na mabe. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes, et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché? Et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, Yahweh a dit Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui et sa maison. Et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face. Nous allons ajouter
le chapitre 31. Tokobakisa mokapoya tukumi toujours de Job. Kaka na buku na yobo. Mais là nous prenons le verset 6. Kasi wana tokozwa nzela mokia mokoba. Jusqu'au verset 8. Kino na oyo ya mwambi. Que Dieu me pèse dans des balances justes. Et il reconnaîtra mon intégrité. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque suivre s'est attaché à mes mains, et je sème et qu'un autre moissonne, et que mes rejetons soient déracinés. Verset 8. Et 9 aussi. Si mon cœur a été séduit par une femme, si je fais le quête à la porte de mon prochain. Amen. 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 Et Dieu bénisse. Nous avons la coutume. De reprendre ce qu'on a vu pour mieux continuer. Mais aujourd'hui, parce que nous voulons gagner du temps, je vous ai aidé à reprendre seulement la lecture de la fois passée. Et nous allons continuer avec les passages que je viens de donner tout de suite. Et si nous voyons Job qui se pose des questions, quand il a vu que tout ce qu'il avait était perdu, Job ne s'est contenté pas de dire que l'Éternel soit loué. Mais non, avant de mettre en pratique cette écriture-là, l'écriture qui dit « Rendez grâce à Dieu en toutes choses ». Commencez premièrement par t'examiner. Et commencez premièrement par t'examiner. C'est pourquoi Job dit qu'il me pèse dans sa balance. S'il va trouver qu'il y a quelque chose à laquelle je suis irréprochable. Chaque fois que dans notre église, chaque fois que dans notre couple, chaque fois que dans mon ministère, je ne vois pas les choses avancées. Par exemple, dans le ministère, les choses avancées ne veulent pas dire avoir toujours des inspirations quand vous lisez la Bible. Vous pouvez être bien inspiré quand vous lisez la Bible. Chaque fois que vous lisez votre Bible, les yeux s'ouvrent pour voir de grandes choses. C'est pas ça qui veut dire que ton ministère avance. Il faut que la personne sache quand son ministère n'avance plus. Quand la grâce qui est sur lui n'est plus opérationnelle. Quand l'église n'avance plus. Par exemple, une église.
L'église n'avance pas parce qu'il y a des gens qui apportent de bonnes paroles. On reconnaît qu'une église avance, Dieu ajoute dans cette église-là au jour les âmes qui sont sauvées. Au jour, Dieu ajoute ses enfants dans cette église-là. Nous allons essayer de voir quels sont les critères qui révèlent que cette église avance. Et l'église avance quand dans cette église-là, Dieu est en train d'opérer des signes et des prodiges. Une église qui avance, de cette église-là font réussir toujours. Une église qui avance a des ministres qui annoncent la vraie parole. Maintenant, par exemple, les bonnes paroles, c'est-à-dire la parole qui impressionne. Quand une personne parle la parole qui vient vous épater, mais ce qui est prêché n'ajoute pas au jour le membre dans l'église. Ce qui est prêché n'apporte pas à l'église des signes et des prodiges, des miracles qui accompagnent l'église. Il faut que cette église commence à se poser des questions. C'est une église qui sera stationnaire. Une église qui n'avance pas. Maintenant, il faut que les gens qui dirigent l'église commencent à s'inquiéter. Commence à s'inquiéter, se poser des questions. Pourquoi notre église est devenue ce qu'elle est? La même chose dans la vie d'un frère, dans la vie d'un couple. Si vous voyez une régression, tu crois à la vraie parole, tu témoignes la vraie parole, mais tu trouves que matériellement, physiquement, tu vois qu'il y a une régression. La maladie qui entre dans l'église et dans ta famille. Le travail, vous quittez. Mon frère est dit qu'il y a un sang qui va. Mais l'affaire, ça ne marche plus. L'histoire est allée sous le temps pour la maman. Avant de regarder de gauche à droite, il faut la côté là, le bon corps, il y a moins de situé à mon mari. Commencez par te poser des questions. Attends, il y a un homme qui a dit tout. Ne faut pas dire l'éternel soit béni. Pour la tête, il dit qu'il y a un homme qui a dit tout. Ne faut pas aller voir vite un homme de Dieu, plus pour moi. Pour que je sois béni. Ok, les mains boutées pour moi, mon frère, dans la bête, pour la bonne année, il prend de la pambola. C'est une erreur grave. On les a dit, Libouka, mon aîné. Commencez premièrement par t'examiner. Banana, il n'a pas eu un bon corps pour dire que tu es là. Mais il ne faut pas croire que Dieu attend. Pour. Ne faut pas dire que c'est à cause de l'autre. Commencez premièrement par se poser des questions. Pourquoi maintenant je régresse? Moi qui priais des heures. Moi qui
qui méditais la parole de Dieu, tes soeurs. Moi qui partageais la parole avec les chants. Je n'arrive plus à faire des heures de prière. Si tu perds seulement quelque chose que, à laquelle tu avais avant, ce qui est au bout de la erreur pour mon corps, tu ne dois pas être calme. Et il faut qu'il y ait une préoccupation dans ta tête. Mais essayez de dire qu'il y a un mot qui est là. Remarquez ce que Job dit. Dans la situation de Job, il a épinglé. Mais qu'est-ce que c'est? Il a arrêté la proposition. Il a épinglé de qu'est-ce que c'est? Il a ça qui dit. Nous avons vu que c'est Satan qui vient. Donc, on va dire que c'est Satan qui vient. Nous avons vu que c'est Satan qui vient. Donc, on va dire que c'est Satan qui vient. C'est lui qui vient exécuter la permission de Dieu. Il a arrêté pour toi ça et il a assemblé. Dieu le voit un serviteur pour exécuter des choses qui pourront troubler la famille, l'église et la vie des gens. Ça veut dire que moi, je suis un peu plus de temps. Maintenant, je suis un peu plus de temps. Quand je suis un peu plus de temps, vous savez, une personne qui ne sait pas se remettre en cause du rabat. Cet homme est un homme que son intelligence est avec lui. Même dans une famille, quand la femme ne sait pas se remettre en cause, même dans le fiançailles, quand l'homme ne sait pas se remettre en cause, il savait que davantage, il se justifie davantage. Là, c'est encore un danger. Job s'est remis en cause. Maintenant, nous allons épingler des choses encore plus profondes. Parce que nous avons vu que celui qui fait ton malheur et qui est venu sur la terre pour que tu deviennes malheureux. Une malheureuse, c'est Satan. Donc avant que Satan vienne, les habitants de la terre ne pouvaient pas être des malheureux. Car la Bible déclare que jouissez-vous ciel. Lola, on se fait là. Pourquoi le ciel doit se réjouir? Parce que Satan n'était plus là. Et ceux-là qui ont la visitation de Satan sont des malheureux. Car c'est le combat qui commence dans leur vie. Et quand il est descendu, il prend toujours le corps. Comme on a vu hier, il ne prend que des choses de Dieu. Il prend que le don de Dieu. Il se cache derrière le ministère de Dieu. Il se cache derrière le créatif de Dieu. Il se cache derrière la création de Dieu. Satan vient toujours derrière quelque chose de bien de Dieu. Maintenant, nous allons ajouter encore une écriture. Prenons le livre de Lévitique. Parce que Lévitique va nous introduire et à compléter et ce qu'on a vu hier. Prenons Lévitique chapitre 10.
Lévitique chapitre 10. Nous avons besoin de verset 9. Lévitique chapitre 10, verset 9, nous lisons. Tu ne boiras ni vin. J'aimerais commencer par le verset 8. Lévitique chapitre 10, verset 8. L'Éternel dit à Aaron, Yahweh a ici Aaron, tu ne boiras ni vin, ni boisson alcoolisée. Je répète le verset 9. Tu ne boiras ni vin, ni boisson alcoolisée. Toi, yo, ainsi que tes fils, lorsque vous entrez dans la tente de la rencontre, sinon vous mourrez. Ce sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint et ce qui est profane. Ce qui est impie de ce qui est pire. Remarquez ce que Dieu dit à Aaron. Quand tu as appelé Aaron à son service, et à ses enfants, ils étaient tous appelés à être dans la tente d'assignation. Ils étaient appelés à un service de la tente d'assignation. Mais Dieu dira à Aaron, le sacrificateur et ses enfants, chaque fois que vous allez entrer dans la tente d'assignation, parce que c'est dans cette maison que Aaron et ses enfants allaient rencontrer Dieu. Mais la Bible déclare que Dieu fait une prescription à Aaron. Il dit que ça sera de génération en génération. Autrement, Dieu parlait que toi aussi, tu feras partie de cette génération. Le Seigneur dit, toi et tes fils, de la génération à génération. Et dans cette parole prophétique, Dieu aussi te voyait là-dedans. C'est pourquoi en Jésus-Christ, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, l'Éternel dit qu'il a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Dans Apocalypse chapitre 1, à partir de verset 6, Dieu vient maintenant confirmer cette prophétie qu'il avait donnée à Aaron. Même la génération à venir, Dieu voyait aussi l'épouse païenne. Dieu voyait l'église païenne. Là, je parle l'église païenne. Quand tu étais païen, quand tu étais Baal Sheba, la femme de le serviteur de cette écurie, moi si la femme du riz,
Moi, celle qui s'est lavée, oh, Azali Bosukola, qui ne croyait pas qu'un jour elle pouvait être appelée. Oh, Aya quitté de Bukolomoko bien la moisi à Mokosi. Mais le jour où le roi a tourné le dos à la reine, Mokosi a parlé ce qui m'a pas la moisi d'ailleurs. Elle a fait une le roi a fait grâce à une femme qui était nue. Il m'a conduit à Saragingo, le pain à moi, si on a un peu. Et cette femme, on l'a appelée maintenant aussi la reine. Moi, si on a pas bien équipé, était moi, si à mon côté. Quand toi, tu étais Balsheba, ni qui se lavait encore là-bas. Natalement, il y a un vrai qui n'a eu le Balsheba, au Lumbu, au Zakin, au Sukolakuna. Dieu ne savait que tu seras le royaume des sacrificateurs. Quand il y a un vrai qui était au Kosala, au Koji, il y a un vrai qui était. Dieu savait. Tu vas entrer dans la génération d'Aaron. Mais qu'est-ce que Dieu avait prescrit? Il a dit quand vous entrerez dans la maison, toi et tes enfants, tu ne prendras ni vin, ni boisson alcoolisée. Ce qui est ma sangaya colanguisa. Parce que si tu prends cela, ouais, ce qui tu mourras. Okokufa. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand tu prends ce vin, dès que vous prenez le vin, ou le poisson alcoolisé, toi qui n'es pas sanga, y'a cola misa, tu ne sauras pas distinguer. On pourrait même apporter ces misères. Ce qui est impie et ce qui est pie. Et donc on voit les alliés bien peu les alliés peu toi. Tu ne sauras pas distinguer. On pourrait même apporter ces misères. Ce qui est suyé et ce qui n'est pas suyé. On voit les alliés bien peu ou les alliés bien toi. C'est à dire, ton intelligence est complètement aveuglé. Tu n'auras plus la maîtrise de toi-même. Et c'est la mort qui sera derrière toi. Et Dieu dit cela à Aaron le sacrificateur. Quand le vin et les boissons alcoolisées est trop dangereux. Et si vous vivez cela, et ce qui est au Mérian, oh, le temple, ce n'est pas un problème. Le temple de l'époque, ce n'était pas un problème. Mais quand vous entrez dans le temple, pour rencontrer Dieu, là, si vous vivez, vous allez mourir. Et le vin, ne vous aidera jamais à distinguer ce qui est impur et ce qui est pire. Le vin va vous assujettir. Le vin va vous dominer. Le vin va vous tuer dans le temple. Le vin va vous tuer dans le temple. Vous devez être très prudent ici. Comment quelqu'un qui boit le vin ou le boisson alcoolisé, que Dieu lui parle des choses impures et des choses pires. Dieu doit lui dire que avec le vin, et le moment pour la vigne, vous ne saurez pas discerner des choses impures pour des choses pires. Je continue avec un autre verset. Que vous méprisez très bien. Mais vous allez voir que dans la parole de Dieu, comment le vin a été donné alors? C'est Dieu qui a donné le vin à l'homme. Et souvenez-vous que je vous ai déjà prêché sur
le pourquoi de miracle de Cana. Écoutez bien. Il y a des prédicateurs qui enseignent des faussetés. C'est comme je voudrais vous dire ici. Si vous trouvez un pasteur qui est l'église en train de prêcher, même si ce n'est pas votre prédicateur, même si c'est catholique, si les catholiques prêchent en disant que Jésus-Christ est fils de Dieu, il faut dire amen. Si cela est écrit, ne cherchez pas à refuser de croire à ce que c'est sorti de l'église catholique. Catholique n'a pas sa parole. Catholique est dans le la parole nous appartient, nous. Il va les aider à dire ça. On seulement pris nos choses. Quand il répète, il confirme, c'est pas que ce que Dieu nous avait dit est vrai. Il y a ceux qui enseignent aux gens pour pas seulement parce qu'ils ne veulent pas seulement croire que Dieu peut faire le vin. C'est Dieu qui a fait le vin. Et si tu trouves quelqu'un te poser la question, est-ce que Dieu a fait le vin ou pas? Il faut dire à la personne que c'est Dieu qui a fait le vin. Non seulement il a fait, mais il a donné aussi à l'homme de boire. Parce que le vin que je parle provient d'une plante. On a vu notre bien-aimé Noé. On a vu l'autre, si je me trompe. L'autre a dit, Dieu n'a jamais condamné l'autre parce qu'il avait dit le roi. Jésus-Christ est venu lui-même. Le jour de miracle de Cana. Les gens ont bu. Et il n'y avait plus le vin. Les gens sont allés voir la maman de Jésus. Maman de Jésus. Selon les Écritures. La femme est allée voir Jésus. Moi aussi, on a gagné comment la Jésus. Jésus dit à sa femme, à cette femme. Jésus a dit si moi aussi on a. Qui était aussi sa femme. On a vu qui peut moi aussi naïe. Jésus dit à cette femme. Jésus a dit si moi aussi on a. Qui est-il entre moi et toi? Il a monté ni quand il n'engage ni alors. Après quelques minutes, quelques instants. Si malheureusement on va monter. Jésus va faire le vin. Jésus a posé la masanga. Il prend le vin, à donne à l'homme. A suivino, a pesi à Bogoto. Les gens ont pris. Bato Bamelaki. Il y a ceux qui disent, ah, donc tu es en train vraiment de favoriser pour que nous vivions. Et dans la parole, vous avez dit, ah, pour la victoire, pour que ça vise au présent, c'est là pour être comme là. Mais il ne faut pas falsifier l'écriture parce que tu n'as pas d'explication. Quand on manque l'explication, on se tait. On croit à la Bible telle qu'elle est écrite. Non. Quand on n'a pas l'explication, vous taisez. Mais vous restez croire aux écrits telle qu'elle est écrite. Parce que tu as une conviction que l'homme ne peut pas boire de boisson. Et tu ne dois pas falsifier cette écriture-là qui dit que tu as donné les boissons à l'homme. Tu cherches à donner ça une autre interprétation. Non, ça ce n'était pas vraiment les boissons, ça c'était les boissons spirituelles. On dit qu'on pense à un bon dimanche, on est aussi.
Jésus a donné vraiment les boissons. Yes, ou après ça qui pèse dans la sanga. Et Dieu n'interdit pas l'homme. Mais ça me rime au qui s'amoute. De ne pas boire de boisson quand il est hors du temps. Et de amener la sanga de la terre morte à la libanaise. Encore un verset de la Bible. Donc à pour moi, moi, il souffre la Bible. Timothée. Paul dit à Timothée. Paul a dit Timothée. Prends un peu. Tu veux. Sois-moi fille de mon cœur. Sois un peu. Mais rends-moi fille de mon cœur. Il dit à Timothée qu'il ne vivait pas. Aïe, si Timothée a dit qu'on est la terre. Ne continue pas seulement à boire de l'eau. Pourquoi va la qu'on est la maïté? Donc Timothée ne vivait pas. Et nous, on est de Timothée a dit qu'on est la terre. On va lui donner les conseils. Après, si il te lit, à cause de ton estomac. Natina, na. Prends un peu seulement de verre. Sois-moi moqué à vino. Ne faut pas chercher d'abord à interpréter sa spirituelle. Des gens qui voient la prophétie partie. Une prophétie sans la nature, ce n'est pas la prophétie. Dieu marche dans la nature et il explique le spirituel. Si je suis étalé sur ça, c'est seulement pour vous confirmer que le poisson, c'est Dieu qui a donné ça à l'homme. Et le même Dieu qui va donner le poisson à l'homme, il explique les conséquences du poisson. Quand vous prenez, quand vous lisez les petits qui comprennent le livre avec vous, dans les petits qui disent n'est pas écrit que si tu vas t'enivrer, seulement quand tu entres, ne bois pas ni vin, ni boisson et ni phrase. Et le bilan a été tellement dans l'hypocrite qu'on est la tête. Vino, son qui n'est pas salaire pour la misère. La Bible ne parle pas là de l'ivrognerie. Non. Divinez le bilan a été dans la langue. La Bible interdit seulement quand tu entres, ne bois pas. Divinez et Pékissa a été tellement dans l'hypocrite qu'on est la tête. La Bible ne dit pas que si tu fais l'excès, non. La Bible dit, dès que tu y entres, n'ose pas. On est à terre. Car ça va te tuer. Ça va te dérouter. Tu ne sauras plus distinguer ce qui est pire de ce qui est interdit. Donc le poisson que Dieu a donné le malheur. Mais Dieu explique quand est-ce qu'il faut prendre ça et quand est-ce qu'il ne faut pas prendre. Dieu continue à expliquer les dégâts de poissons. Proverbe chapitre 23. Là, ce sont des passages que vous maîtrisez tous. Mais je le répète encore pour la meilleure compréhension. Prenons Proverbe chapitre 23. Verset 29. Je crois que c'est ça le passage. Je commence la lecture. Pour qui le. Pour qui le hélas. Pour qui le dispute. Pour qui le plainte. Pour qui les blessures sans raison. Pour la nanité, papote, oye, zaki, tina. Pour qui les yeux rouges. Pour la nanité, mis au montagne. Pour ceux qui s'attendent auprès du vin. Et la nanité, pour la ba, oye, bazali, tamo, non, son pépé, ni, na, fino. Pour tous ceux qui s'attendent. Et la nanité, pour la ba, oye, bazali, pour fa,
vin pour ceux qui vont déguster du vin mélangé. Ici, la parole ne dit pas pour ceux qui ont fait l'excès du vin. La Bible ne dit pas que pour ceux qui se sont enivrés. Non. La Bible ne dit pas pour ceux qui se sont enivrés. Soyez très attentifs ici. Je sais que vous avez des passages et des passages. Et dans la Bible, quand Dieu, dans certains passages, il ne répète pas la même chose comme dans l'autre passage, il y a le pourquoi. Et ne faut pas faire le mélange de ces passages. Le Seigneur dit, pour qu'il est. Ah. Pour qu'il est hélas. Pour qu'il est dispute. Pour qu'il est plainte. Pour qu'il est blessé. Sans raison. Pour qu'il est sierouille. Alors, ça veut dire ceci. Si nous nous retrouvons dans le dispute, ce sont les gens qui se sont attardés sur le vent. Et quand nous voyons l'homme avec les yeux rouges, il s'est aussi attardé sur le vent. Quand nous voyons les blessures sans raison, il peut être aussi celui qui s'est attardé sur le vent. Et si nous voyons quelqu'un dans le hélas, nous comprenons que cette personne s'attarde sur le vent. Voici les conséquences du vent. Les vins donnent aussi le sommeil. Et quand ça donne le sommeil, ça fait que tu n'aies plus le contrôle de soi. Automatiquement, tu te déshabilles. En te déshabillant, il y a des choses qui se passent. Les conséquences des vins. Le vin vous donne le sommeil. Fait que tu deviennes nu. Et maintenant, il faut retenir ces choses. Ces conséquences. Quand il y a des disputes entre les frères, entre les couples, il ne faut pas aller chercher de gauche à droite. Dis-toi que ce sont des buveurs du vin. Ils ont bu du vin. Ou l'un a bu du vin. Maintenant, ils se disputent avec son frère. Où les deux ont vu. Les gens, quand une personne voit, si vous êtes dans un couple, constatez, vous verrez que la femme n'a pas vu. L'homme qui a vu, quand il entre dans la maison, c'est les disputes qui commencent. Ou si l'homme a vu, la femme ne veut pas voir son mari voir. Elle va créer les problèmes à son mari. Le dispute est dans la maison. Et quand le dispute est dans la maison,
dorme vers le matin quand il se réveille. C'est parce qu'il avait dit. Et la même chose aussi. Le hélas. Quand tu vois quelqu'un, moto, par exemple dans l'église, par exemple dans la maison, commence à dire des choses dans lesquelles il a pris le sang. Cet homme-là a bu du vin. Il s'attarde sur du vin. Il ne sait plus distinguer ce qui est bien, ce qui est mal. Alors quand dans l'église, il y a les disputes dans les églises, même entre ceux qui prêchent, pendant les prêches, si les pasteurs, les conducteurs, commencent à se disputer entre eux, où tous sont des buffets, où parmi eux, il y a des buffets. Non. Amen. Amen. Il faut toujours être. Il faut avoir toujours de la patience. Et ça, c'est le discernement. C'est les yeux qu'on vous donne. Et les yeux qu'on vous donne. Et quand tu verras, un frère, amen. Quand ton mari est dans la maison, il revient. Aïe. Le comportement change. Parce que le vin vous change le comportement. Et là, on va un pasteur, mon père,
évangélique tout consomme. Quand tu es devant la soeur, être normal, c'est quand tu lui apportes la parole. Mais quand tu n'apportes plus la parole, tu commences à lui dire certaines choses qui n'ont rien à voir avec la parole. Tu as dit tu veux, c'est pourquoi tu commences à dire toutes ces paroles-là. Vous êtes avec moi? Et cette église-là, cette maison-là, n'aura jamais la paix. N'aura jamais la paix. Nous aurons, à ce moment-là, on a besoin de la nuit. Quand vous buvez, la victoire le sommeil. Et la, le sommeil révèle ta nudité. Et même les gens qui ne pouvaient pas voir ta nudité verront ta nuit. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Remarquez quelque chose. On dit que le vin, c'est quelque chose de Dieu quand ça est dans le vin. Écoute très bien. Regarde par le vin, parce qu'il est un pot rouge. Et il fait des perles dans la coupe. Dans la télé. Il leur a dit race de vipères. Allez, vous savez qu'il y a un mot de quitana.
Dieu. La rivière à qui s'est venu qui m'a canda. La parole de Dieu tombe sur la race des vipères. Canda dans un mer et quoi à Nicolas et qui tient à la rivière. Quand tu vipères, il est sorti du vipère pour éviter la colère de Dieu. Le sacrificateur qui entre dans la tente d'assignation, quand il boit le vin, il ne mordit pas le vipère. C'est pourquoi le Seigneur dit, si tu bois, tu vas mourir. Tu vas mourir toi et tes amis. Ce n'est pas tout. Et alors vous allez comprendre que c'est le plus important. La Bible dit tes yeux auraient alors. Quand tu vois les uns, tes yeux alors auraient de grandes visions. Et qu'on soit du monde de l'île, et ton cœur exprimerait le dernier clément. Père, mon Dieu, ma maillot, et qu'on t'a dit ça, ma cambo, oyo, et ça dit à ma langue du sous-souté. Ton cœur, mon Dieu, ma maillot, on exprimerait maintenant le dernier clément. Et qu'on t'a dit ça, ça dit ma cambo, et ça dit à ma langue du sous-souté. Quand quelqu'un voit le vin, oyo, ça va être des temps, on va me dire, fino. Quand il se présente devant toi, c'est vraiment le passé, t'as motivé par le conseil. C'est vraiment le prophète qui dit ça. Et c'est quand même mon sac, on dit qu'il y a la vie pour le moi. C'est vraiment le docteur Caron qui dit ça. Et c'est quand même la vie pour le moi. Des fois, tu verras, tu es là ce que tu fais. Mais nous avons compris la vie pour le moi. Le cœur, quand vous vivez le vin. Mon Dieu, ma terre, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Maintenant, le vin a la puissance. Ça, ça y est, mes filles, les années d'embrouillard. De dérégler l'expression de ton cœur. Et à mon bébé, ça y est, mon bébé, à mon père, mon aïe. Et là, ça te tue. Mais où en est mon bébé? Maintenant, tes yeux. Ça, ça y est, mes filles, mon aïe. Commence à voir tes visions et grâce. Et voilà comment la vie, mon aïe, il y a mon cœur. Quand vous vivez les vins, la terre, mon bébé, fille, le vin a le pouvoir. Fille, les années d'embrouillard. Changer la personne que tu voyais que c'est la sœur. Mon Dieu, je sais comment elle est la vie qui est pour la mère, moi aussi. Ce n'est plus la sœur. Après, tu ne pourras savoir une femme à prendre. Non, on va dire comment elle est, moi aussi, bon soir. Quand vous vivez le vin, les gens étaient mon mari, fille, non? La femme que tu respectais, moi aussi, la mère, je vais vous dire ça. Quand tu la regardes, la dame, elle va vous dire ça. Comment ça, tu vas comme si c'était un cochon que tu dois insulter? Continue par pitié comme le serpent. Il y a un mot et comme à la poussoua, le col à Noka. Mais écoutez, la Bible dit, il veut dire oui, tu seras pareil à un homme, yo, au cocana, à moteur, et au chien en plein mer. Oh, il y a un ami, il y a un ami, il y a un ami, il y a au sommet d'un mas. On m'a frappé. Et je n'ai pas mal. Et on m'a battu. Et je ne sais rien. Quand me réveillais-je, un homme qui boit du vin devient insensible. C'est pourquoi quand la personne a dit du vin, Et ça dit qu'il y a du mot, tout est vrai.
déjà vu. Parce que le corps est fait du corps et la vie. Insensible, pas de réaction par rapport à cette parole. Après, on va aller sous terre. Après, on va aller sous le bas. Amen. Amen. Les deux ne veulent pas le faire plus loin. Mon ami dit Paul en tenant mon stick à l'équipe. Il explique. Azali Polibola. Il faut faire. Proverbe dit il faut faire attention. Masoslobet est écrit au Kéba. Avec le vin. Et la maman va la finir. Quand l'église. Tellement l'église. C'est une église qui est vivée. Et ce qui est l'église avant d'être. Les ministres qui boivent. À toi, maman va la finir au Kéba. Les ministres seront dans les règlements de leur cœur. À toi, maman. Les fidèles seront dans le dérèglement du cœur. C'est pourquoi quand on est là, ils ont le bon sens. Dès qu'ils se retirent, ils ont le ha 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 et les hélas. Oh, ça c'est déjà la mort. Cette église est déjà mort. Oh, les gens se posent des questions. Et les choses sont trop claires. Moi, je vois ça trop clair. Vous ne voyez pas cela. Quand vous allez dans le chrétien, l'Éternel interdit à l'homme de s'enivrer. Est-ce que vous comprenez? Il interdit. Je crois que Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 5. Si vous passez là, vous pouvez nous faire la lecture. Sinon, si on trouve, on pourra les lire. C'est le verset 18. Ah, vous avez le verset. Vous étiez déjà là. La Bible dit. Ne vous enivrez pas de vin. Voilà moi ni vignotaire. Est-ce que vous comprenez cela? Pourquoi vous voulez un mot? Car, pourquoi cela mène, il y a quoi dans les combats? À la débauche. À Wendouba. Est-ce que vous comprenez cela? Pourquoi vous voulez un mot? Car, tu appelles le vin. Ça va aller pour dire la fille. Ici, de tes poches. Ah ouais, bah non, ben la tête est bon du bas. Le vin ici. Fille noire. Il y a des gens qui veulent vous faire voir le député. Et ça y est, avec les gens, ils ont la salle de l'organie. Non, Paul a dit, Paul a dit, ça vous amène, ça vous mène. Et vous êtes maillot. Mais ce n'est pas le débauche. Et ça dit, vous battez. Mais quand vous serez dans l'Apocalypse, ça dit, ce qu'on cueille, n'a pas pour la évolution. Vous allez voir le Seigneur parler le même langage. Et au moment d'un colo pour le bataille, il y a cette femme-là d'Apocalypse. Alors viens de moi, si vous allez à l'évolution. C'est par le vin de son nez. Et ça dit bien la fille de la Bondoumba naïe. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? C'est Apocalypse combien? Et ça dit, pour quand même, c'est le capo de la Boni. Apocalypse. Et moi, les séries, il y a 100 mots. 17. Verset 2. C'est là mon cœur, il y a mis balai. 17. Verset 2. Et ça dit. Nous sommes dans un bosan, mon cher ami Balé. Nous lisons. Autant dire à vous. C'est avec elle. Et ça dit que le roi va faire la mention. Que les rois et la terre. Et pas conseiller ma belle. Se sont livrés à l'immoralité. Et ma vie qu'a dit la Botouba. Et c'est du vin. Et sa prostitution. Et ça dit que les habitants de la terre se sont allongés. Et ça dit que la fille de la Botouba, la aide va faire la belle. Une personne, moto, un frère, je peux m'en faire une sœur, je peux avoir aussi. Quand tu as déjà dit ces femmes, Natamo aussi, comme la fille, cette acte-là, et qu'elle a là, dans la coupe, quand il a qu'elle, apparaît comme la chose la plus meilleure de la porte. Et moi, dans la coupe, et l'autre, il y a qui t'a commis, il y a qui t'a commis.
là. Et qui est là? Et le meilleur est dans la coupe. Et pour la cabala ou le vin là. Vignoana. Dans la coupe. Kati et le trop meilleur. Et ça qui t'en dit. C'est pourquoi tu verras que beaucoup de tes frères qui viennent dans les assemblées de ça. Comment est-ce que les bénévoles ne vont pas vivre? Balangwaka. Ça livre. Balangwaka. Ça livre. Les prédicateurs, ça livre. Bateille, balangwaka. Jusqu'à ce que nous prêchons là. Qui n'a pas été en côté. Quand il a déjà pris ça. Alors, pas si pour mes rangos. Vous prêchez pour que le père revienne. Au côté, il s'énerve contre toi. Il est à côté de mon grandé. Il est devenu insensible. Et quand tu y as même les disputes, entre les hommes de Dieu, et où t'es homme. Amen. Amen. Pourquoi vous ne pouvez pas dire Amen comme il faut? Pourquoi vous ne pouvez pas dire Amen comme il faut? C'est votre problème. Et là, il y a un problème. Et quand vous entrez dans l'église, est-ce que vous avez l'église? Les blessures qui nous. Les blessures sales. Ma porte à vous, les dans lequel on se demande. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? L'un ou deux hommes. Mon côté, on va aller, ou les quatre, ou les cinq, les six. Ce sont des bibliques. Cette acte-là de sexualité. Et que là où il y a pas de sensation, moi c'est n'a pas passé. Ça finit par détruire. Il y a un soukane et moi et Bébi Saka. Ça détruit le ministère. Et Bébi Saka le sort. Ton frère, il est l'ancien pasteur. Et Kakaka, non, il est l'ancien ministre. Faire la démonstration de la connaissance, vous allez le faire. De voir Dieu opérer à 100%, non. Et la pauvreté entre dans l'église. Même entre les fidèles. C'est ce que Paul a dit. Il y a un mot de Paul à ce soir. Dans l'église de Corinthe. Parmi vous. Il y a de la publicité. Vous ne savez pas trouver. Même chez les païens. Vous êtes des fidèles. Dis-nous, vous allez et vous les fidèles. C'est pourquoi. Je suis de Paul. Nazali voya Paulo. L'autre dit. Mon tout sort de je suis de Cephas. Nazali voya Cephas. L'église est débutée. Et qu'elle est à la mêlée. Amen. Amen. Le vin. Vignon. Cet acte-là. Et qu'elle est là. Apparemment. N'a comment la table. Elle est bien. Et dans la l'amour. Quand tu entres là, la terre est petit coup, tu sens que c'est bien. Au moment là, tu es là, et ça va là. Mais, c'est le serpent qui vient te tuer. Le serpent là, c'est Satan. Non, non, il est Satan. Qui te pousse à boire. Et ça va, c'est le petit coup, là. Qui te pousse à te faire voir la beauté de cela. Vous comprenez cela? C'est pourquoi? Cet acte. Et cet acte là sexuel. Et c'est la débauche. Et donc c'est la débauche. Cet acte là. Et ça retire une puissance dans l'homme. Et le mot la carte, mon mot la carte, ça retire une puissance dans l'église. Et le mot
Ecclesia. Ça rend l'homme incrédule et insensible. Et dans la bouche des frères et des sœurs, maintenant, il y a des paroles non critiques. Eh, la carte la femme que vous connaissez qui a fait 12 ans. Je sais que vous avez la prophétie de la chose. La femme a fait 12 ans avec. Le jour où il a rencontré l'homme, le sang a pris fin. Makila et Katanaki. La vie est entrée. Bon, on est content. Cet homme-là, c'était Jésus. Vous le savez très bien. La femme, moi aussi, qui a fait 12 ans. Vous donc, quand on a le sang tous les jours, les gens, les critiques disent que les critiques, si elle vient, les femmes qui ont des flux, si on va aller à l'intérieur, Makila. Et si elle en a, ce qui a fallu la yango, plus de gens de 8 jours, il y a l'anomalie. Voilà, et va les sous ma et la femme qui voit le sang. Mais moi, je vais comprendre Makila. Elle est sûre qu'elle n'a pas l'enfant. Hier, yeah, qui savait qu'il y a la mort dans l'amour. Elle est sûre qu'elle n'a pas encore conçu. Hier, yeah, qui savait qu'elle n'a pas médicé. Et quand la femme ne voit plus le sang. Mais ce qui moi, je vais comprendre Makila. Comme cette femme-là. Qui cherchait la vie. Virant tout ça. Il cherchait la vie. Et quand elle a vu le sang. Parce qu'il n'y avait pas encore un homme qui était capable de la semencer. Tous les hommes qu'il a rencontrés. C'était les hommes sans la semence dans ses mains. Donc il ne faut pas le dire aux gens. Comme il est parti partout. Non. La femme. Moi aussi. C'est cette femme-là même des cantiques de Catherine. L'homme qui cherchait. Son bien-aimé. Qui a fait la tour de Rome. En recherche de son bien-aimé. Pour tourner le vin. Pour la peau, paix sa vie.
avec ceux que vous êtes ensemble, vous devenez un. Non, et on va me prendre moi si on va dire que l'on va me prendre moto. Marco. C'est pourquoi. Mais t'as la tina. Quand tu t'approches. La chambre va aller pour elle, là. Tu couches. Oh là là. Avec une prostituée. La moi si tu vas. Avec celle qui n'est pas ta femme. Elle est moi la moi si on va aller moi si la tête. Tu devenais un. Il va aller pour moi, moto. Marco. Aujourd'hui, je sais qu'il n'y aura pas beaucoup d'amen. Mais on a ah, ça, ce sont des choses que les gens disent rarement amen. Oui, c'est vrai, ma cambo, 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 ma il y a une puissance qui te quitte. Et quand vous avez un mot pour les amis, et pourquoi dans l'église? C'est la carte de l'église, quand cette puissance te quitte. La terre, vous avez un bimbi, tu vas rester toujours avec ta connaissance. La connaissance que tu avais ne te quitte pas. Tu es toujours avec ta connaissance. Donc tu vas t'habiller comme tu t'habillais. Tu sais toi-même, il y a quelque chose qui bat. C'est ma mort qui me suit. C'est la mort qui te suit. Alors imaginez-vous. C'est dans une église. Nous savons que tu vivais et tu fasses. C'est dans ta maison. L'homme qui a poussé de vrai. Quand l'homme est sorti de chez lui. Il va voir une femme. Quand il rentre chez lui à la maison, il a des astuces de dire je suis fatigué. Hier, pourquoi il est fatigué? Pourquoi il est fatigué? Il vient de reposer. Pour être à pour ça. Amen. Et vous verrez, il y a des femmes qui connaissent leur mari. Et dans la basse, il n'y a pas de. Non, tu es fatigué pourquoi? Ah, on est pour la vie. Tu verras l'homme qui va être, qui va toujours dormir au salon. Pourquoi la chambre est au salon? Qui dit ce qu'on va aller dans le salon? Et toi, tu dors au salon? Avec le salon? Mais tu spites dans la maison. Pourquoi les potes gagnent dans la maison? Je ne comprends pas, tous les jours au salon, tous les jours au salon, tous les jours au salon, c'est quoi? Je ne peux pas dire que c'est toujours ça. Mais si c'est ça, il a mis du vin. Et quand il voit du vin, il fouille parce que la femme saura. Pour être moins éloigné, la dispute entre ta maison. La même chose dans l'église. La même chose dans l'église. Car la puissance vous quitte. Vous avez pris la force même de prier. Pourquoi vous verrez quand vous priez? Si tu vois un pasteur ou le ministre, quand vous priez, tu regardes toujours les yeux ouverts. Quand vous les regardez, Vous allez là-bas. Mettez-nous à genoux pour la prière. Donc, mettez-nous à genoux pour la prière.
Parce qu'il a des problèmes, il a mal au dos. Il doit faire comme ça. Il est comme ça. Ah, quand il est comme ça, c'est pourquoi vous avez la fille la prière. Ils ont fui la prière. Vous venez de serviteur fille de prière. Serviteur fille la prière. Au milieu de cette église, il va distribuer les coupes de vin. Vous connaissez ce passage-là, non? Quand vous vous réunissez, chacun de vous, vous ne vous réunissez pas pour être réveillé, mais vous vous réunissez pour être pire. Car chacun de vous, mange son propre pain. Et cette église ne sera plus une église. Et dans cette église, même si la parole est prêchée, même si c'est l'apocalypse qui est prêchée, même si c'est la démonstration des mystères de Dieu, donc cette église-là, il n'y aura pas la démonstration et la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que Satan a trouvé une piste. Il doit freiner, empêcher la bénédiction de Dieu, afin que personne ne glorifie l'éternel. L'acte sexuel. Paul avait compris. Comme nous avons parlé. Paul dit. Faites attention. Aujourd'hui, le serpent vient aggraver l'acte sexuel. Pour vous retirer. Pour le force. Pourquoi tu venais avec celle qui priait bien? Quand on se présente devant cette fête, avec le ha 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 ha. Parce que toi tu as crié au Seigneur. Aujourd'hui le temple s'est entré en Jésus-Christ. Quand vous entrez en Jésus, Dieu vous interdit. Vous n'avez plus pouvoir de faire. Quand tu vas à sa rencontre, il y en a qui boivent dehors. Ils ont l'air qui vient dehors. Et le boivent dehors. Et je disais, quand le dispute entre dans l'église, quand il y a des blessures sans raison, quand il y a des propos insensés, il n'y a plus le contrôle de lui-même. Quelqu'un qui est dans l'impudicité, quelqu'un qui est dans cette chose-là, n'a plus le contrôle de lui-même. Même si il dit vraiment c'est mon frère. Aujourd'hui, vraiment, il en a parlé. Deux minutes quand tu le sors. Il a besoin de cette coupe. Les paroles, qui ne donnera même plus la puissance de Dieu. C'est pourquoi les hommes de Dieu dans les églises sont appelés à comprendre le condamnant, éviter de boire. Amen. Est-ce que vous êtes très bien? Pour moi, Satan
piquer le serpent avec sa coupe. Elle n'entrera pas ailleurs. Pour détruire une église. Pour détruire le nom de ton ministère. Il viendra qu'à travers la serre que tu vois souvent. C'est pourquoi quand on dit fuyez l'impudicité. Ça ne veut pas dire je fuis l'impudicité. Non. Ça ne veut pas dire prier seulement. Pour fuir l'impudicité. Parce que cette œuvre-là, dans l'évangile éternel, détruit tous les. Depuis la tête comme Jésus. Jusqu'à là. Qui n'en a fait. Ils ne sont pas nombreux qui n'ont pas encore dit. Ils ne sont pas nombreux qui ont cessé de boire. Il y a ceux qui continuent à boire, mais dans leur bar, on ne sait pas de les attraper. Il y a ceux qui boivent dans leur bar, ou dans leur cabaret, ou dans leur hôtel. Et en vivant, on n'a pas encore attrapé. C'est pourquoi le prochain des ans, on s'est déjà vu. Les autres sont des manins. L'animal le plus riche. Mais comment Dieu va se manifester aussi longtemps que tu viens de te tuer? Tu es mort. Le pasteur est mort. Le ministre est mort. Les apôtres sont morts. Les chants sont morts. Les chants sont morts. Sont morts. Comment un mort peut-il chasser un démon? Comment votre église pourra-t-il chasser un démon? Quand des chats, une personne boit. Si le conducteur boit, si
mais on a dit de voir. Mais là où il y a les différents entrées c'est des disputes. Jamais d'arriver.
Respecte d'autres actrices. Ah, on sent
Je fais la main vers les prophètes. Les gens pensaient que les prophètes étaient élus. Mais prophète que la maîtresse avait dit. C'est vraiment Élie. Dire que c'est Élie. C'est dire la parole conformément à la chair. Équilibrer la manne ramassée dans le désert des sortes que chacun a nommé, chacun a nommé, chacun a nommé, chacun a nommé. Si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, si vous voulez qu'il vous réponde en particulier, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si son numéro est disponible sur ce vidéo ou sur le site. Sinon, contactez-nous et nous transmettrons votre préoccupation. Nos contacts sont visibles depuis le site. N'oubliez pas aussi, en tant que chrétien, votre devoir d'évangélisation. Venez évangéliser avec nous en soutenant financièrement cette œuvre évangélique, Christ Equality Foundation. Pour le faire, tapez sur christequality.com/evangelisation.html. Donnez à Dieu ce qui se trouve dans votre main, et il vous donnera ce qui se trouve dans la sienne. Recherchez-vous les enseignements du Dr Albert Callot? Allez sur christequality.com/albertcallot.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à notre première YouTube channel, Évangile Éternel. Puis souscrivez ensuite à notre seconde YouTube channel, Christ Equality. Souscrivez s'il vous plaît. Pour retrouver les enseignements de tous les ministres en ordre, allez sur évangileéternel.com ou sur christequality.com. Faites-nous savoir si vous éprouvez le besoin de traduire ce vidéo en d'autres langues, pour conquérir une audience mondiale. Que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. Évangileéternel.com. Le signe de l'Évangile éternel.